m'interroge. Mais gratuit est bien. Vous ne pouvez pas savoir. Mon contentement traverse le plafond. La maman qui est couchée là, c'était mon nez. Mais pendant la période que j'ai commencé à sortir avec elle, c'est où? Je ne savais pas que mon tonton, mon frère, mon ami avec qui j'étais constamment était son fils. C'est où un jour elle m'a mis dans un snack. Je dis que pardon, mais je ne peux plus continuer à boire. J'ai un rendez-vous dans un auberge. Il me dit avec quoi? Tout le petit, avec qui? J'ai dit j'ai pris une petite là sur Facebook, c'est la mort. Même Beyoncé ne voit pas ça beau. Rihanna ne voit pas ça beau. Il me dit que, ah, papa, avec nos danses qui sont Android, est-ce qu'elle est Android? J'ai dit que le poster qu'elle a, c'est la magie. J'ai dit que c'est la magie. Si c'est pour le bébé footballeur, elle a le poster. Le bébé magistrat, elle a le poste. C'est où il me dit que, montre-moi sa photo dans ta galerie. Il dit, c'est quoi? Il me dit, filme. Tout le monde n'est pas toi. Il dit, y a quoi? C'est ton ex qui me dit non. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi, ma mère? Il dit, papa, c'est ta mère. Il dit, c'est la mère. C'est comme ça que tout ce moi est mort. Je dis que si c'est ta mère, c'est aussi ma. C'est où j'ai causé. Papa, normalement, c'est moi qui dois te donner avec que tu lances. Maman. Mais comme tu insistes, je confisque. Majesté Manela, maman Mandé Madeleine m'avait confié un gendarme qui farote. Ne prends pas ça dans un rafle, papa. C'est mieux que je dise ça. Un gendarme qui farote. Maman Mandé Madeleine m'avait fait un confi. Elle m'avait dit si même je ne suis plus là, tous ceux qui viendront pour savoir les prochains qui va me suivre, c'est la première personne à rentrer chez eux. Donc vous êtes la personne debout. Si vous voulez rentrer alors. Majesté, ça c'est pas une deuil, c'est une fête. À cause de toi, j'ai vu certains collègues. Papa, merci beaucoup. Normalement, je vois comment ton billet, si lui m'en sortant, dit c'est malgré fait, tout m'a délivré. Un jour, on m'a donné comme ça, monsieur, jusqu'à j'ai appelé pour garantir un terrain. C'est quand j'ai sorti l'argent, j'ai constaté que faux bien. Sincèrement, normalement, c'est un manuel que vous allez donner, mais que vous insistez verser. Fais seulement comme la pluie. J'ai vu un monsieur là-bas qu'on a loué pour éteindre la pluie. Il soufflait le feu, la pluie accélérée seulement. Papa, verser. Aïe. Maman, avec le temps qu'il fait dans le village, si tu passes le marché. Au nom de Jésus. Tu passes le marché au nom de Jésus. Je suis en larmes. Quand je me rappelle encore comment maman disait. Oh yo. Tu te rappelles? Je me rappelle comment quand toi et moi jonglais dans les premiers skates où tu m'as appelé de venir intervenir dans le pouce à la elfe. Qui aurait cru? Qui aurait su? C'est pas normalement. Ce n'est pas à moi que vous donnez ça à la mère. Vincent, c'est le même. Quand vous donnez comme ça, quand ils vont sortir, ils vont vous montrer 80 fan club fingon. Ils vont vouloir qu'ils déposent ici. Hé, jumeau. Majesté, je ne dois pas être long. Sache que maman n'est pas partie. Elle a laissé. Et il est important, idéal pour un enfant d'enterrer sa maman. Où elle est? Elle nous voit. Elle est fière de tous ses enfants, plus particulièrement toi. Parce que si nul n'était toi, je n'aurais pas dû prendre mon vol aux États-Unis pour me retrouver à Bangsoa. Tu es un grand homme. Et merci pour tout ce que tu as apporté dans ma carrière. Parce qu'il faut retenir une chose. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, ce monsieur n'est pas ses conseils, a tellement contribué. Merci encore. Merci, parce que le cercueil a qu'une seule place. Maintenant, c'est comme se coucher avec elle. C'est comme partir avec elle. Oui. Une des choses à toi, que Dieu vous
Les musiciens, vous avez trop de travail. Quand il y a des comme ça dans les villages, les gars, s'ils sont pressés, même s'ils sont superficiels, ils se marquent maladie, mais t'as tout, mais tu. Je suis fini contre la LPG de mon immeuble, te ferai même. Excellence, Monsieur le Président, vous avez la parole. Excellence, Mesdames et Messieurs, chers compagnons, il s'est avec émoi et consternation. J'ai appris le décès de cette vaillante maillon de la nation, j'ai nommé Maman Mavé Madeleine. Cette triste nouvelle m'a tellement touché que je suis sorti de mon bunker de confinement. Et comme vous aimez bien me l'entendre dire, me voici donc à Bansoi. Permettez-moi, en cette circonstance douloureuse, d'adresser mes condoléances les plus attristées aux quelques soucis, celles du gouvernement de la République tout entier. Vous riez, je sais que si on vous demandait de choisir entre moi et elle, vous devriez me pointer. Mais l'amour a déjà fait son choix. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, je viens de constater qu'une source d'énergie s'est éteinte. Un grenier s'est écroulé, une bibliothèque est partie. Ah, général Samba, comment allez-vous? Maître Luc, je vois que vous êtes tous. J'espère que ce ne sont pas les opposants qui sont derrière. Demandez à Maître Ngefar de quitter derrière les appareils. Ce sont les opposants. Comme je le disais tantôt, vanité de vanité, tout est vanité. Pour ceux qui attendent voir mes obsèques, je vous rappelle que j'ai encore des obsèques comme ceci pendant 62 ans. Additionnez sur mon âge et vous verrez quand je vais quitter. Les opposants commencent déjà à se décourager. J'ai même compris certains commencer à s'agiter. Que ce qui s'est passé, j'en ai tenu compte. Je vous verrai personnellement. Le chien aboie et la caravane passe. Je disais tantôt qu'un orphelin n'est jamais grand. C'est vrai que vous pouvez vous faire tous les repas, mais le père va vous manquer. Je ne vais pas être très long, mais qu'à cela ne tienne. Mais le lobito fobifagasi, if we know si for water. Madame le ministre de la Culture est déjà post-confirmée. Je vous verrai personnellement.
La République se porte bien. Je comprends bien, ce sont les opposants qui sont de ce côté. Sergio, comment? C'est ça même que j'attendais. Je vous verrai. Un pour moi, un pour Chantou, un pour Kamto. Comment allez-vous, ministre de la Communication? Petit Blagoya. Je le disais tantôt, il fait bon vivre au Cameroun. Les gens qui partent, vous irez et vous reviendrez me voir. Quand l'autre partait, il m'avait dit qu'il allait. Non, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu que le Cameroun est la terre incontournable. Que la terre de nos ancêtres, Vigante, là, continue toujours à mener le peloton de l'humour comme tu sais bien le faire. Mais je t'ai vu faire un geste à Chantou, ne répète plus. Monsieur Defo Premier, Monsieur Defo Premier, la phase gastronomique est déjà passée. Nous sommes ensemble. Ministre des Touristes au Cameroun. Poste payé. J'en ai tenu compte. Bétacolage, comment allez-vous? Tu travailles avec, déjà avec Bob Marley. Les gens nous filment. À quoi bon? Population! Famille! Vous avez surpris la façon que je suis habillé. Avant, les comédiens, c'était les vestes et cravates. Depuis que j'ai compris que les gens pour avoir les MTV Awards, les Mamma Mia Awards, ils s'habillent comme les yo. J'ai dit que désormais, moi, j'avais vu comme les yo. Population! Vraiment, tous ceux qui partent là, ça veut dire qu'ils habitent hors de ce village. Ce n'est pas moi qui vais chasser les gens, j'ai ma parlée. Hey, mon beau, reste un peu derrière moi, non? Tu causes quoi avec lui? Qui là-bas? Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas à toi que je vais poser la guerre. Pour être honnête, je suis très fier d'être là ce soir, mais en même temps, maman n'est pas partie à l'âge de 52 ans. Ça veut dire que c'est une fête. Combien d'entre nous allons avoir l'âge de maman? Population, si vous aimez maman, criez « Oh, oh !» Tous ceux qui n'ont pas crié, ça veut dire que vous allez le suivre demain. Si vous aimez maman, criez « Oh !» Il y a tellement d'artistes ce soir, mesdames et messieurs. Je ne veux pas être long, mais j'ai envie de m'amuser. Mais l'impresario, je ne connais pas le projet qu'il avait moi. Tous les gens qui chantaient ont mis le plastique. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas vu de bras. Le tuyau, c'est la bosie. Et le don, c'est le cou. Population, si vous avez aimé maman, crie. Oh! Bon, pour commencer, chef, que la vie. Tu peux voir ce que je dans la vidéo. Respecte-toi. Viens un peu devant. Tu vois que celui qui a le micro commande celui. Je vous le bien trop. Je vous l'ai dit celui. Non! Quand tu filmes là, ne mets pas ça sur Facebook. Oh. Dans ma famille, on connaît que je travaille au port. Personne ne connaît que voilà mon vêtre. Avant de commencer, s'il vous plaît, si vous avez aimé maman, s'il vous plaît, levez les mains vers le ciel, s'il vous plaît, tout le monde. Merci, merci. Tous ceux qui n'ont pas levé les mains, peut-être que ce soir qu'après, ça y aurait de chez vous. On ne sait jamais, un défaut premier, ou tu as vendu quelqu'un. Population, famille, pour sortir, s'il vous plaît, je ne suis pas venu pointer.
Parce que maintenant, on va trop dépenser pour le droit ici. Et tous ceux qui prennent quelque chose ici, pas aussi le droit quelque chose. Ce n'est pas facile de regarder un spectacle. Mais maman n'est pas... On est là pour commémorer le pays. Il y a un spectacle que tu... Il y a un skate... Non, dans le plastique, papa. Je ne connais pas les gens de ton village. Je ne connais pas les raccourcis. Il y a des gens ici. Vous qui se rappelez comment on a marché comme ça? Aujourd'hui, vous nous voyez comme les gens qui souffrent. Oh, que vous nous avez montré le chien. Et regarde ta papa, papa, donc. Les gens qui portent les gros chaînes ici. S'il y a un faux billet, je sais que c'est toi qui a d'eau. Oh, fils, ça, tu fais quoi? Oh, petit. Si c'était ta vidéo, tu devais faire quoi? Même pas ça. Le type, tu as la masse là où? Viens de fouiller, pardon. Il a tout mis. Population, je prie qu'il y a déjà des deux ici dans ma famille. Tous les artistes vont payer avant de prester. Maintenant, là, tu réfléchis comment? Si tu ressens 100 000, tu comprends un peu le Bouddha. Bon, c'est ce qui me coupe en vous. Famille, où est-ce qu'on est? Vraiment? Quand tout le village sort, il pleut, ils sont là, ça veut dire que tu es quelqu'un de vrai. Je suis allé à Batcham chez un milliardaire. Il ne pleuvait pas. Hein. C'est nous qui supplions les gens. Tu me remarques pas, c'est moi, mais t'as coup d'adieu. Ça veut dire que maintenant, il y a quelqu'un dans ma soie, tu peux le mettre là-bas pour lui. Je ne veux pas être long, il y a tellement d'artistes derrière ce soir. Vous allez dire, tu es venu faire quoi? Il fallait que je raconte une blague qui va vous faire rire. Mais vrai, vrai. Je ne suis jamais arrivé dans un mariage ou dans un spectacle où le prestataire a dit, mesdames et messieurs, pour vous entretenir, voici venu pour vous le petit vide de Foku. C'est vous les enfants de pauvres qui font déjà la traversion. Tu veux mangement? Il est parti. Blague voyagement. C'est tous les enfants, les pauvres qui font le genre de travail. J'ai arrivé quelque part, on a dit, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Dieu baptise, to welcome everyone here tonight. I would like to invite you, this mon petit, pour qui perro. C'est tous les enfants, les pauvres qui font le genre de travail. Population! Vraiment, je ne veux pas être long et je suis à long. J'ai besoin d'une chaise. Maman, tu es sorti, papa, pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens derrière. Tu ne travailles pas avec moi. Tu ne peux pas faire plus que de moi un billet. Chacun a son train. Et chacun a été payé pour son train. Quand ta femme est belle, hein? Au volant de la voiture, même là, tu connais, non? Tu prends les gens qui sont déliés. Tu sais qu'il y a le métier quand tu fais. Quand tu connais ta condition physique. Quand tu as un nez et vu de faire la soudure. Le texte va éteindre le traitement. Quand tu es bègue. Ne pas faire le métier de DJ. Babou. Bloqué là-bas. Ça ne donne. Quel monsieur au volant de. Attaque de Maritama. L'homme qui pouvait représenter le Cameroun, mais la musique a pris le dessus avec le droit de terre. C'est un karatéka. Hein. Je dois que ici, tu mens. Le monsieur, si est fort, choisis à te l'aider. Rien que le souffle, ça manque de se. Quand tu ouvres ta voiture avec ta femme, quand elle est belle, on entend ma demoiselle, attendez, vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Je m'en parlais. Quand ta femme est belle, on entend comme si elle n'existait pas. Elle est passée à côté de moi. Je me dis, Aïcha, Aïcha. Mais quand ta femme n'est pas belle, on entend seulement wo wondo wondo quoi quoi. Si c'est bon, crie oh, crie oh.
je ne mets votre humble serviteur. Il y a tellement d'artistes pour vous ce soir. Mon tonton, mais ici. Pour faire quoi? Je ne parle pas. Mange pas. Le pain, le père de ne parle pas. C'est ta mère, moi. Le jour qu'il y a deux chez vous, ne m'appelle pas. Comme là, c'est moi. Est-ce que vous savez, papa, pardon, je sais que tu es trop pressé. Tu sais que c'est dans les dents comme ça que les gens découvrent le contrôle. Tu es ça. Tu es toujours derrière moi. C'est quand il était des gifles que tu connais que le policier est ton ami. Je ne vais pas parler. Essaye un peu celui-là. Pour sortir, s'il vous plaît, DJ. Joue-moi n'importe quoi, papa, n'importe quoi là-bas. Joue les gens de musique, si on doit danser, toi, tu vas danser. On célèbre la vie. Une maman qui a marqué des générations. On appelle grand-mémé. Toujours, joue, c'est pour le boy. J'aime parler. C'est rentrer un peu derrière, papa. Rentrer derrière. Ouais, maintenant, là, qui ne fait pas. C'est ton deuil. Ce que tu as fait avec les autres, ne fais pas ça avec moi. Population, famille, DJ, envoie n'importe quoi, mais c'est un truc qui chauffe. Papa, tu es avec moi. Le truc de ceci, c'est il est fort, hein. C'est ici qu'il veut... Tu n'as pas fini son argent grand. Je ne connais pas moi son pro. Si nous, le Dieu de ciel... Papa, pardon. Ce n'est pas ton deuil. Je m'agenou devant toi. Ce n'est pas ton... Quand... C'est bon? L'autre jour, maman nous voit, on dit que son chat est perdu. Je riais. On a déjà fait quand je passe les machines pour acheter quelque chose, non? Son chat me voit fuir toujours. DJ, envoie n'importe quoi, pardon. Voilà, c'est bon. Voilà! Je ramasse d'abord. Vous savez pourquoi quand ça tombe, je ramasse d'abord? Je suis allé à un mariage avec petit bien, mais que petit frère. Tu es fort. Mais laisse-moi d'abord jouer à. J'ai dit que moi, tu. Pour discuter devant Rabbi Rabarabi, la Monaco, Alpha Omega. Quand il est entré, on répond ensemble, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Maman. Et à maman, on versait l'argent sur lui, il faisait comme s'il ne voyait. À mon tour, voilà un gars de Bilongue. Quand j'ai commencé, on a versé l'argent sur moi. Je ne connais pas où le gars l'a sorti, avec le chukuma en bas de sa chaussure. À 3h du matin, c'est comme ça que le type l'a marché. J'ai dit à mon gars, oh Seigneur, pourquoi tu peux créer un beau gars comme ça, tout le long en handicap, sans savoir qu'il avait le pro. Il est arrivé devant moi. Périphère, tu es fort. Hein? Tout ce que les blagues là font, c'est rien. Il m'a giflé avec un pied de 500. Mais entre dans son pied, il faisait le travail. Depuis lors, j'ai dit que mon agent tombe, je râle. Père Manalap, quand tu vois quelqu'un qui a réussi sa vie, papa peut sortir. Il y a tellement d'artistes ce soir. J'ai le monté des riches, mais c'est l'argent qui me manque. Manalap, dans le cinéma, il donne l'argent comme ça. Après, quand on veut faire, tu dis qu'aller à l'école. Aller d'abord à l'école. Non, applaudissez très fort, s'il vous plaît. J'ai constaté quelque chose dans ce deuil. C'est-à-dire. On ne pleure pas comme on pleure dans certains deuils. Parce qu'il y a des deuils ici, dehors, tu arrives. La façon de pleurer, tu as envie de te demander si les gens ont notre problème. Tu entends seulement, non, pas toi, maman, pas toi. Tu as envie de demander, quand tu dis que pas elle, là, ça devait être qui? Chacun a son tour. Il n'y a pas de pas elle. C'est-à-dire, tu es dans une famille, tu es malade, ton père décède, comme mon cas. Dès que ta grande sœur veut pleurer, tu attends papa, pas toi, pas toi. Tu dis merde, là. Donc tu me guettais. Quand tu dis que vous êtes sérieux que tu me guettais. Famille, j'ai fait un constat, hein. C'est-à-dire, quand tu vois un deuil où les gens s'en sortent, comme les gens de deuil ici,
tu lis seulement sur les pancartes, on dit célébration de vie. C'est-à-dire on célèbre la... Quand c'est le genre de deuil où les gens se débrouillent, on dit obsèque de tel. Quand c'est pour le pauvre, tu entends ce manque d'œil de ma jambe. C'est le deuil. Et d'abord, le genre de petites paroles, tu dis paix à son âme. Ça veut dire que sur la terre, la mère n'avait pas eu de paix. Donc on dit que pardon, papa, maintenant qu'elle est décédée, qu'elle trouve un peu de... J'ai fait un constat, c'est-à-dire les femmes, les chansons que les femmes écoutent dépendent aussi de leurs ambitions. Vous allez vous rendre compte, les femmes âgées entre 18 et 22 ans, les chansons c'est « Je veux le meilleur, oui, il sera le meilleur, elle rêve leur vie ». Quand ça passe 22 jusqu'à 26 ans, vous connaissez les chansons ? L'homme c'est l'homme quand ça se lève, elle commence à être réa. Quand ça passe déjà 26 ans, jusqu'à 28, 29, 30 ans, la chanson devient « Si ton père était menuisier, tu épouseras un charpentier ». C'est-à-dire les pauvres marchent entre, quand c'est déjà 40, 45, il n'y a plus de rêve, pas d'avenir, rien que la façon de danser. Tu entends, tu vois seulement. C'est là où tu entends. Je laisse toi, Dieu. Adieu. À 44 ans, tu laisses à Dieu pour qu'il fasse encore quoi avec. C'est à les tendons. À l'âge là, ce n'est que pour les pasteurs des églises de réveil. C'est là où tu entends dans les églises, tu entends seulement esprit de célibat, ça de ce corps. Toi, Kamoupo, je ne connais pas ta attaqué. Je suis venu soutenir Manolap à ma façon. Je ne sais pas nuire les artistes. En dehors de aimer leur truc dans les réseaux sociaux et partager, je ne sais pas faire du mal aux arts. On est arrivé tout à l'heure à la résidence de Manolap. On a servi le premier buffet. Chacun est allé à table. Chacun a fait son tour. Après, le président Manolap a dit, il y a le bouillon avec le riz et les ignames. Président Fingon, vous étiez là, je vous prends à témoin. Est-ce que quelqu'un veut manger le bouillon? Tous ceux qui étaient dans la salle ont dit que non, pour le moment, ça va. J'ai porté le plastique. Je suis allé à table charger le riz et les ignames et le bouillon dans le plat. Comme on a dit qu'il y avait un spectacle ici, j'ai posé ça dans le noir pour venir voir aussi le spectacle, comment les humoristes et les artistes chantent dans le cadre de les souhaiter. J'appelle mon élément avec qui je travaille. On me décalons pour vérifier si le plastique est encore. Mais ne m'en peuvent pas qu'ils ont porté le plastique. Mais pourquoi vous faites ça? On est venu enterrer une matière. Vous êtes venu m'enterrer. Ce métier, je me bats dans ça seul. C'est moi qui maîtrise mes stratégies dans mon métier. Vous portez un plastique où Dieu va vous dire. Vous portez, vous étiez dans le plastique ici. Vous avez porté. Mais si ça ne vous purge pas, non, pas constipation. Non, pas constipation. Parce que je ne vis que dans les cérémonies. Et ce n'est pas moi qui tue les gens. Quand j'apprends qu'il y a un mouvement, je me lève aussi, je pars. Et dans le domaine, il y a des inconvénients terribles. Il y a des terribles inconvénients. À une cérémonie comme celui-ci, je suis arrivé à une étape vraiment totem. Une étape où les gens mangeaient déjà. Il y avait des portiers, mais j'ai utilisé ma stratégie. Je me suis retrouvé à la table d'honneur. Parmi les gens qui étaient dans ma table d'honneur, je n'ai pas su comment j'ai fait pour me retrouver à la table d'honneur. Pour tu héros aussi, je suis entré dans le héros. Banane malassé, je suis entré dans la banane malassé. Tu, je sens l'odeur des pommes pilées comme que ça sort tout, comme l'autre a chanté ici. Ils utilisent même le nom de la nourriture pour faire là avec. Tu es
Mais on donne des pommes pilées comme quand les pommes pilées sont douces. C'est souvent rare dans les cérémonies. Je suis allé à table, chargé les pommes pilées, j'ai chargé les pommes pilées dans le plat. Quand j'ai fini les pommes pilées, je sens l'odeur d'un cuit. Regarde comment les gens valorisent tous les mets à une cérémonie. Le plus on manque du respect au cuit, c'est dans les voix bébés qu'on voit. Mais à un mariage, j'ai retrouvé le cuit. Je suis allé à table, j'ai pris 4 boules. Vous savez que l'on cuit, c'est comme le taureau. Tu tapes la femme, ne marque ça, descend seul. J'ai tapé les 4 boules, patriarche Fingo. Et puis, les 4 boules. Une maman, elle me dit que, au caillot sur jaune, tapé. Tu as dit quoi? J'ai dit à la sauce jaune, quand j'ai dit, tu es notable, non? Je suis allé à table, j'ai servi le tarot. Ne pas aussi manquer du respect aux ruisseaux d'arachide, j'ai mis aussi le ruisseau d'arachide au milieu. Je tape le tarot. Un trinquant de la consommation vient me dire, président, un truc là que tu n'as pas goûté, comme vous voyez. Mon petit, c'est quoi comme ça? Et mon gars, c'est le shawarma, comme ça. Ha! Chawama, Moussa, Faroté, dis 10 000 francs pour me chasser le stress. Je suis trop stressé, Moussa. Faroté, na Faroté. Merci beaucoup, mon président Moussa. C'est comme ça qu'on chasse le stress à celui qui est stressé. Vous êtes là, vous riez, mais je suis en train de mourir ici devant. Et vous ne connaissez pas ma situation. Vous ne connaissez pas comment j'ai sorti de la maison. L'enfant me dit qu'il y a un truc que tu n'as pas goûté. C'est encore... Il me dit le shawarma. Comme dans le domaine du tout, ma curiosité peut être tellement élevée. Ça dit que tu es toujours curieux quand tu vois la nourriture. Je suis allé, j'ai tapé le shawarma. Ah, ça m'a fait quelque chose comme 5 minutes. C'est comme si j'avais avalé l'acier à moteur. Comme ça, tic, 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 tic. Comme ça, ah. J'ai mangé la scie à mon... Je reviens rapidement à l'entrée de l'événement. Gros groupe, les gars, pardon, on peut se mettre à l'aise. C'est où l'autre, mais la main comme ça. Depuis, les gens veulent aller aux toilettes, mais on ne voit pas les queues. Ah! 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 Depuis quand on mange et on ne peut pas décharger. Quand vous faites une cérémonie où il y a la nourriture, mais on ne voit pas les toilettes. C'est pour tuer les gens. Pour lancer, j'ai lancé mes yeux de l'autre côté. J'ai vu un tas d'herbes. J'ai fait le signe de croix. Mais dans le cadre de lutter contre l'hygiène, j'ai tâté la peau, je n'ai pas vu le papier. Mais moi, la lune a frappé sur un truc à terre. Je veux fort. J'ai la ma. Que me concentrer. Là, je vous me pouf. Concentration pour libérer le ventre avant de rentrer encore refaire le chargement. J'ai refait la même concentration. Attends, je vous assure, même si le propriétaire du champ était là, il n'allait rien constater. Vous farotez déjà en pièces, c'est magnifique. Il y a évidemment, ça c'est une révolution dans le farotage. Tu viens me donner 100 francs, tu as révolutionné le farotage, non? Je vais maintenant derrière, dans celui-ci, tu sais que les handicapés, il faut toujours les donner le temps. Ta façon même de marcher, ou c'est le vent qui te bouscule, ou c'est quoi, mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. N'en veux à personne. Je finis le dernier truc. Je vais derrière avec le papier blanc que j'ai ramassé à terre. Si je constate qu'un totem a mangé un souris à fantôme, a laissé tomber le papier. Dans les herbes. Je retourne encore au lieu de les aimants, pardon, trouvez-moi l'eau. Les mêmes groupes disent, quel est ce tour de va-et-vient comme que j'ai. Tu sais que je traverse quoi en ce moment? Le va-et-vient, tu sais qu'il y a quoi qui vit en moi? J'insiste, Jésus, il va appeler la police, j'appelle la police, mais je meurs ici. C'est ici que j'ai mangé. Et c'est ici que j'ai tous les problèmes. J'ai insisté, un enfant a contourné derrière la maison, m'a ramené, dit les tredons. Je suis entré dans le noir, frappé comme les femmes ont l'habitude de frapper, pap, et wap.
Je dis, vous faut fou. J'ai fait seulement un premier fou. Présent, tatillage, je suis mon formateur des jeunes. C'est où je dis, c'est comme ça que quelqu'un aussi épluché le macabo. Allez, c'est l'eau sous. L'enfant inconscient a porté l'eau pour venir me secourir avec. Tapez le main présent, venez s'il vous plaît. Venez, là où il y a, suivez-le, Bitako là, venez. Je vous dis un truc, je vous donne l'onction de la consommation sur scène ici. Venez tous, tapez les mains pour qu'ils se lèvent. Les jackass, venez s'il vous plaît. Venez. Les artistes ont compris désormais que même eux-mêmes peuvent faroter. Ça fait qu'on ne traite pas les artistes de mendiants. Levez-vous. Tu sens moi comment jackass tâte les pieds pour chercher les 500. Alors que tout à l'heure, nous farotait les 10 000 francs. Mais même si c'est combien, je vais prendre. Merci beaucoup, ce focus soit pour moi. Tu sens quelqu'un qui facilite le farotage. Il ferme un tas comme ça, il donne. L'autre va faroter que dans tes yeux. C'est comme si je cherchais ton œil. Papa, 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 papa. Mais tu cherches ma dent. On va ordonner le farotage, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre moment. C'est... Vous êtes les artistes, moi, je ne suis pas artiste. Non, allons-y. Allons-y. Hein? Tu vas gagner les awards aux États-Unis. Merci beaucoup, Sofou. Hey, hey. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Tapez les mains pour laisser le président Fémon venir en dernière position. Il y a le piège. Il y a ta piège, je vous connais. Ça, c'est... élite, élite. Élite, tu es une élite. Tu es une élite, tu n'as pas un problème d'argent. Tu sors mille francs là. Tu vas comprendre ce toi présent. Oh, premier bien.